Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous l'ai dit, on se retrouve pour l'ouverture d'un autre colis. Déjà j'ai le fou rire parce que j'ai ouvert le colis de Viviane et non, là m'éclate. Et du coup, mais je vous laisse aller revoir la vidéo où franchement elle me comble de bonheur. C'est une femme qui en or. C'est pas le fait par rapport à ses présents, mais dans tout, elle a toujours un mot. Elle a toujours un mot pour me faire rire, un mot pour me consoler, un mot pour me donner de l'amitié. Enfin, tout ça est vraiment... C'est vraiment génial. J'adore ces moments-là. Et là, je rigole parce que elle m'a envoyé un colis pour Noël. Et déjà, à la base... C'est énorme et du coup elle m'a mis encore des produits mais quand oui je suis bête des fois je vous dis vous me connaissez bien c'est normal vous regardez ma chaîne hein. Je suis un peu débile aussi des fois de vous dire des choses comme ça et elle m'a renvoyé des choses donc je vous laisse aller découvrir donc tiens je suis en train de faire encore des boulettes elle m'a envoyé des choses qui sont bah, qui me touchent énormément et des produits que je vais découvrir que je connais pas des produits que j'aurais voulu tester et que je n'ai pas trouvé encore l'occasion de le faire. Et vraiment génial et elle m'a envoyé mais non mais allez voir quoi mais là c'est même pas la peine c'est même plus que la chrononutrition qu'il me faut. En tout cas là aujourd'hui je reviens dans l'ouverture d'un autre colis. C'est une abonnée qui s'appelle Stéphanie et comme vous savez je vous le répète c'est pas pour vous montrer c'est simplement pour que la personne quand j'ouvre le colis je puisse parler avec elle de ce qu'il y a dans le contenu du colis. Déjà c'est énorme pour moi de recevoir comme ça. Et vous me dites, et j'ai juste ouvert, j'ai pas vu, hein. Fred il m'a ouvert parce que ben, j'ai un peu de mal encore avec mon poignet à ouvrir les choses, enfin pas ouvrir mais à faire certains mouvements. Et du coup ben, c'est vrai que vous me dites toujours merci pour tout ce que tu nous apportes, mais en fait c'est ma passion, c'est la chaîne que j'ai créée pour au départ je savais pas trop où j'allais, où j'irais, je sais où je veux aller maintenant. Avec le temps, bien sûr, on mûrit. Et c'est vrai que je passe beaucoup de bons moments avec mes abonnés. Et c'est vrai que là, de recevoir comme vous le faites, pour vous, c'est la façon de me remercier de ce que je fais. Parce que vous me dites que je vous apporte beaucoup. Et déjà, rien que vos messages, c'est énorme pour moi. Vos messages en dessous, vos vidéos, c'est vraiment super. Et j'ai vraiment des abonnés en or. On est bientôt à 3000 et c'est vrai que c'est vraiment génial, vraiment vraiment, c'est une super belle aventure même si il y a des fois, il y a des choses qui vont me mettre en colère sur certaines choses, je vais le dire, je suis comme ça, je vais pousser un coup de gueule, je vais le dire et après je passe à autre chose, c'est terminé et tout, voilà. Donc de toute façon ça peut être jamais lisse, mais en tout cas je retiens que vraiment ces bons moments là. Et là, du coup, c'est Stéphanie. Donc, Stéphanie, en fait, je ne sais pas depuis combien de temps elle me suit. Elle-même sera en mesure de le dire en dessous de cette vidéo-là. Mais je sais qu'elle suit Sandrine aussi, mon amie Fairy Makeup. Et de plus en plus, donc, elle vient commenter mes vidéos. Elle vient aussi dans le groupe que j'ai pu créer. Enfin, je l'ai de plus en plus, voilà. Et on apprend, bah voilà, de plus en plus aussi à se connaître. Et elle m'a aussi envoyé un colis pour, je sais pas, sûrement aussi pour Noël, enfin pour plein de choses. Donc j'ai encore rien ouvert. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Alors, il y a une carte qui va aller aussi dans mon sapin. Trop belle, joyeux Noël. Alors, Smile and Zen, ouais, Smile and Zen, c'est bizarre, personne m'a demandé pourquoi je dis Smile and Zen. Ma petite Sandrine, je te souhaite ainsi qu'à Lily, Fred et tous tes proches un joyeux Noël plein de bonheur et de smile. Tu m'as envoyé tellement d'ondes positives cette année que j'ai décidé de te gâter un peu. C'est énorme, avec... c'est génial. Toutes vos cartes qui sont derrière, que vous avez pu m'envoyer... ça me fait énormément plaisir de tout ce que vous pouvez mettre dessus. Ça... J'ai un retour de ma chaîne, c'est en ce moment là, c'est waouh, je m'en prends plein et ça fait du bien quoi. Ça fait du bien et c'est vraiment top quoi. Ouais, génial. Alors c'est parti, on va découvrir. Parce qu'on ne déroge pas à la règle pour Lily. Oh, je vais lui mettre en dessous le sapin. Il y a des carambars, nananer.
La Ninette, elle aime bien, je vais lui donner. Oh, il y a plein de petits papiers. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que je vais prendre là? Tu m'as envoyé... Ah, il y a un petit mot. Coucou Madine, dis-moi ce que tu penses de cette marque. Moi, j'adore, bisous. Tu testes parce que tu as dit que tu testerais un jour. Là, je vois pas du tout parce que j'ai dit. Alors, j'ai dit que je testerai un jour. Je sais pas. J'ai tellement de choses que j'ai envie de tester que je sais pas du tout. Ah, c'est bien fermé. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit que je testerai? Là, ces derniers temps, ce que je teste le plus, c'est en ce moment ben, la tarte. La marque Tarte. Je suis en train de chercher. Je vois pas après ce que je testerai un jour. Il y a Makeup Revolution, j'avais dit que je voulais tester leur gamme. Un peu plus NYX aussi. Un peu plus Sleek aussi. Ben, un peu tout quoi. Alors, c'est bien enveloppé. Génial, c'est Makeup Revolution, yes. Je suis pas toute seule, je suis en appartement. Oh, c'est trop fun. T'as enveloppé ça. Waouh. Wow. Ah, je vais pouvoir tester. Ah ouais. Waouh. Go to the city. Ça dépote mon gars. Et mais ça me fait penser... Oui, je vous montre, pardon. Ça me fait penser aux couleurs de la Smoky de chez Urban Decay. Celle que j'ai. Waouh. Ouais, trop belle. Tu me dis, toi, en dessous de la vidéo, si t'as déjà testé. Ben dis donc, tu m'as... Oh, je sais plus, non, non. Je pousse. Oh. Enfin, bah oui, j'ai dit, c'est vrai que j'ai pas fait. Il y avait une abonnée qui était venue me voir aussi en message privé en me disant j'ai un code, je te le donne. Tu m'as dit que tu voulais tester. Alors, la première chose, et ça, je crois que c'est un highlighter. Voilà, un dupe de chez Too Faced. Hein. Oh, c'est trop beau. Je vais faire gaffe de pas faire de boulettes. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça dépote hein. La fille qui se maquille par-dessus ce qu'elle a. Oh, il est trop beau. Ça fait champagne. Hein. I love make-up. Bah ouais, mais je sais pas au niveau de la référence. Il est vraiment magnifique. Oh, dis donc. Alors, voyons voir. Je vais essayer de mettre ça sous mes genoux. Donc, ouh, c'est un beau fard. C'est Make It Happen, c'est ça? Mais, alors, attendez. Oui, parce que Isazali m'en avait envoyé des blushs. Et ça souffle comme ça. Regardez comment il est beau. Si ma mère voit cette vidéo, elle va... C'est ses teintes aussi, elle. Attends. Il y a le sacré reflet. Je vais prendre un sopalin, d'ailleurs. Alors. Ça, c'est un... Bleu nuit ou la pigmentation, maman. Le envie. Disons, ça c'est. Sacrée pigmentation. La vache! Ah bah, j'ai un putain intérêt de faire gaffe de pas m'en mettre sur mon pull blanc. Il est trop beau. Hein. Je vais enlever le surplus tout de suite. Il est super beau. Alors là, c'est un mascara, je pense. Bien sûr.
La brosse à lignes incurvées, le New Curl Effect Brush, ça, Ultra Black, ça va faire l'option d'un crash test. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant hein, parce que j'en ai ouvert quand même pas mal ces derniers temps des mascaras. Donc, je vais le mettre de côté et je testerai. Vraiment génial. Belle découverte, je pense, là. D'accord. Ensuite, c'est quoi ça? The One Fluid Blusher. Donc, je pense que c'est des blushs qui sont en liquide. Bah, ça aussi, j'ai jamais... Non, je crois pas que j'ai testé le blush. Ouais, c'est ça. Waouh. Donc, ça se présente comme ça. Hop. Je vais pas faire la boulette. Je vais pas ouvrir maintenant pour faire les swatchs. Hein. Et donc, j'ai celui-ci qui est le Rush Me. Et le Pink. Bah, il est bloqué. Viens donc là. Viens donc là, mon gars. Hop. On va tester ça. Hein. La texture et tout. Vraiment une belle découverte là. Là, je suis curieuse et j'ai curieuse. Ensuite. Ah. Celui-ci, eh ben, Isa aime la bouffée. Celui-ci, je l'ai. Donc, je vais le donner si ça ne dérange pas à maman. Ensuite, des petits pigments, je crois bien, ouais. Alors, celui-ci, pur pigment, c'est... J'ai pas mes lunettes, bah je sais pas. Je vais faire un zoom, c'est... je vous laisse regarder, je crois que c'est ça, là. Elle est belle, la teinte, hein. Et là, c'est un rose un peu, on dirait qu'il y a des... rose or, je vois mal, angélique, je vois, c'est angélique, voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Eye primer. Ah, c'est peut-être pour mettre en base un petit, hop, comme ceci. Ultra velours lip crime. Ah, c'est les fameux lip crime. Ok. Il se présente comme ça. Et c'est la teinte Not One for Playing Game. Non, c'est pas ça. Hein. Bah mince, la teinte est où? Apparemment, il tiendrait 8 heures. Il tiendrait 8 heures. Ensuite, là, c'est Power Revolution. Donc, apparemment, Lip Power, ça serait un rouge à lèvres et un gloss. Alors, attendez que je prenne. Hop. Donc, oui, c'est un rouge à lèvres. C'est un rose flashy. Hein. C'est pas trop mes teintes, hein, ça. Je vous le dis honnêtement. Hein. Mais je vais tester. Ah! Et le gloss. Et par contre, le bouchon, là, il se fait la malle. Là. Et ensuite, bah ça, c'en est un autre d'une autre teinte. Alors, pareil, où c'est que je vais? Les papiers se défont mieux que sur ceux de chez Sephora. Hein. Sephora, mon Dieu. Donc, c'est cette teinte-là. Cette teinte-là, j'aime beaucoup, par contre. Hop. Et on a le gloss par-dessus. C'est une belle teinte. Et celui-ci, ben, c'est Lip Power. It's My Life. Alors, est-ce que c'est ça? Oui. Alors, dans cette gamme-là, c'est ça. Là et là, c'est celui-ci. Voilà. Là, pareil, belle découverte à découvrir que de crash test. Waouh, tout ce que tu m'as encore mis. Alors, parce qu'on aime bien les miniatures. Oui, c'est vrai.
c'est vrai qu'on aime bien aussi les miniatures. Oh là là, c'est rempli, 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 rempli. Oh, dis donc, dis donc. Alors, c'est énorme. J'ai parfum Jimmy Choo, je ne connais pas et ça va aller. Je vous ai dit, il faut que vraiment je vous le montre. Tous mes parfums comme ça, j'en fais la collection et je les garde. Donc, il y a plein d'échantillons de parfums. Je regarde et je vous dis. Hein. Hop, la copium. Lui, il va aller dans mon sac par contre. Je ne vais pas le garder. Essay Elder New Pure Color Ambi. C'est un beau rouge. Oh, c'est des belles teintes. Wow, je trouve ça beau. Alors ça, vous savez ce que je fais? Je ne les utilise pas. En fait, je les mets dans ma salle de bain et en décoration. Et... Oui, d'accord. En décoration et j'adore. J'ai Chanel, j'ai Dior, j'en ai 2-3 des comme ça et j'aime bien aussi. Alors ensuite, hey, Color Tattoo 24 heures. Et ça, c'est la couleur, je sais pas. La couleur, c'est écrit en espagnol. Ça fait un gris clair, on dirait. Voilà. Cool. Soit Elixir, ça je connais. Ensuite, ELF. Eh bien, je ne connais pas du tout les fards comme ça de chez ELF. Ça doit être dans la gamme studio, je pense, vu le packaging. Ouais. Ensuite, Sunky Said. Je connais pas non plus. Des teintes un peu caramel, marron. Nickel, il y en a un autre. Ça, c'est aussi un peu, ouais, des teintes... Je vais vous mettre les deux côte à côte. Je connais pas du tout non plus. Voilà. Donc, j'en ai un autre ELF. Ah oui, c'est bizarre que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais prêté attention. C'est des fards. Ouais. Je me fais gaffe. Ça, ces petits échantillons, ma petite Isa m'en avait donné un bassin, ma Fra 2, un illuminateur, Miscope, c'est un rouge à lèvres. Alors, attends, voir. Mais je me demande si je l'ai pas, elle m'est déjà aussi. Miscope, faut que je regarde parce que je crois que j'en avais. Oh non, je l'ai pas cette teinte. Je pensais que je l'avais, mais non, je l'ai pas. Ah, mais il veut pas. Bon, ben, on va l'ouvrir comme ça. Voilà. Trop beau. Hein. Il est magnifique. Oh. Alors, ça fait un prune. Il a des refoulés avec un peu de rose dedans, regardez. Il est vraiment trop beau. Ça, avec un trait d'eyeliner. Moi, je vous dis ça à chaque fois, de toute façon. Donc, j'adore. Miscope. On va enlever ça tout de suite avant de mettre sur plus blanc. Ensuite, ah, Caudalie. J'adore Caudalie. SOS des altérants. Sérum. Je l'ai presque fini en plus. Je vais pouvoir continuer à m'en servir. Et la crème sorbet hydratante, elle est trop, trop, trop bien. Merci. Sephora. Waouh, il est magnifique. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je pense que... Oh, il faut que je regarde mon haut, comment il est. Mais ça serait bien un fard que je pourrais bien mettre pour... avec mon haut. C'est le Colorful Nacré Shimmer. Eh ben, voilà! Quand je dis que Sephora aurait pu mettre ça dans le calendrier de l'Avent que j'ouvre tous les jours, hein, regardez comment il est super beau. Ça, c'est Noël. Ah ouais, regardez-moi ça. Ah bah c'est sûr. C'est sûr et certaine. Je mets ça le 25. Merci. Ah, trop contente. Je vais remettre ça dedans parce que je vais faire des catastrophes sur tous les packagings que j'ai ouverts. Voilà, ça. Non mais tu m'as vraiment pourri Steph, hein. Il y en a encore dans le carton.
Alors, il faut que je fasse attention. Ça, c'est donc parce que je travaille à Montélimar. Montélimar. C'est le gars ? Non ? J'ai peur de dire des bêtises. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah non mais là, punaise. J'avais raison. Oh là là. Guimauve ou nougat. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Donc, c'est vraiment de la guimauve, c'est tout mou ou nougat. Un autre nougat de Montélimar, fabrication artisanale. Oh là là! Regardez! Oh, je suis désolée, je vous fais envie. Non, mais il faut que je vous montre. Et là, c'est arôme et colorant naturel. C'est génial. Oh, je suis trop contente, vraiment. Trop, trop, trop contente. Non, mais tu t'es donné le mot avec Viviane, parce que la chrononutrition, me... Oh là là. Si tu vois pas d'inconvénient, mes parents sont fans aussi de nougat. Et franchement, on pensera à toi. Je vais les emmener pour le 25, parce que le 25, je fais chez maman. Et des fois après manger, on aime bien les douceurs et tout. Et je vais leur faire goûter. Et vraiment, c'est mais trop génial. Je te remercie énormément. C'est vraiment, mais oh, ça me touche. Mais tout, hein, tout ce que tu m'as envoyé, voilà, hein, tout me touche. Hein, mais c'est trop fan, quoi. Je suis fan. C'est génial. Et ben, plein de crash tests à faire, ça c'est sûr. Et puis des retours dans les lundis, viens boire un café avec moi pour vous parler des produits et puis de tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Steph, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu m'apportes à moi, sur ma chaîne, à toutes les smilettes. Et merci, Smile and Zen, merci beaucoup.